Bonjour, moi c'est Arthur, expert en assurance chez Société Générale Assurance. Aujourd'hui dans Parlons Assurance, je vais vous expliquer en quoi consiste l'assurance décès. Ce contrat utile à tous vise à protéger ses proches des conséquences financières en cas de décès ou d'une perte totale et irréversible d'autonomie, on dit PTIA. Un capital est alors versé soit au bénéficiaire désigné par l'assuré en cas de décès, soit à l'assuré lui-même dans le cas d'une PTIA. Un assuré jeune qui n'a pas forcément d'épargne pourra ainsi protéger sa famille. Pour une personne plus âgée, le capital servira plutôt en complément d'une assurance vie pour aider à payer les frais immédiats. Mais contrairement à l'assurance vie, l'assurance décès n'est pas un contrat d'épargne. La somme versée au bénéficiaire est le capital forfaitaire souscrit à l'adhésion. Ce n'est donc pas une épargne constituée qui évolue dans le temps. Au moment du décès, cette assurance permet de pallier la perte définitive des revenus de l'assuré, de faire face aux dépenses liées au décès comme les frais d'obsèques ou les droits de succession, de payer les charges du foyer comme le loyer ou l'emprunt immobilier, un crédit à la consommation ou les frais d'éducation des enfants. Dans le cas d'une perte totale et irréversible d'autonomie, le capital versé peut permettre de réaménager le logement et compenser la baisse des revenus. Comment ça marche exactement? C'est très simple. Au moment de souscrire, l'adhérent ou l'assuré choisit ses bénéficiaires et le montant du capital en fonction de son budget et de son besoin de protection. Il paye ensuite une cotisation annuelle qui dépend du capital choisi lors de la souscription, de l'âge de l'assuré et de son état de santé. Le contrat cesse à la date d'anniversaire de l'adhésion suivant le 79e anniversaire de l'assuré. Au moment du décès, le capital est versé très rapidement au bénéficiaire, soit en une seule fois sous 10 jours, soit sous la forme d'une rente en plusieurs fois. Comment évalue-t-on un besoin en assurance? Tout simplement en estimant les ressources nécessaires dont les proches de l'assuré ont besoin pour qu'ils puissent assumer à la fois les frais du décès et les charges courantes de la vie, tout en maintenant le niveau de vie du foyer. Pour cela, on estime qu'il faudrait que le capital soit équivalent à 3 ans de revenus du foyer. Enfin et surtout, sachez que l'assurance décès comprend deux principaux avantages. D'abord, les proches sont protégés financièrement presque immédiatement. Une avance de capital de 10% est versée aux bénéficiaires dans les 2 jours suivant la déclaration du décès. Ensuite, le contrat est avantageux fiscalement. Le capital versé aux bénéficiaires désignés n'est soumis ni aux droits de succession ni à l'impôt sur le revenu. Et en cas de perte totale et irréversible d'autonomie, le capital est versé directement et en totale exonération d'impôt sur le revenu. Pour en profiter, rien de plus simple. Souscrivez en agence ou par téléphone en quelques minutes auprès de notre réseau bancaire. Il vous reste des questions? Contactez nos conseillers bancaires.